vient de triompher à l'Olympia. Il nous a fait l'honneur d'être parmi nous parce que pour moi, Yves Dutheil, c'est pas seulement un ami, mais c'est aussi le digne représentant de la bonne chanson française. Bien sûr, il n'est pas de la Méditerranée comme moi, il a l'accent parisien, lui, mais on a en commun la guitare. Et j'ai tenu à ce qu'il vienne près de moi pour rendre un petit hommage à Georges Brassens, qui est un petit peu notre père spirituel. Comme si on recevait les gens chez nous à la maison, faire un bœuf, quoi. Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui s'en passant m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ça n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers le ciel, au Père éternel. Elle est à toi, cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris la huche plomb, les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un bout de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. À toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés priaient de me voir emmené. Ça n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffer le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel.